Et yo pote les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. Alors aujourd'hui, on va monter paysan niveau 100. Donc en laps de temps, tous les 20 niveaux, je vais faire un petit récapitulatif. Et petit pote, je baisse juste un petit peu de son, enfin chez moi surtout, parce que sinon j'arriverai pas à savoir ce que je dis. Du coup, tous les 20 niveaux, je vais vous faire un petit récapitulatif de combien j'ai eu de blé, de sauge, enfin pas de sauge, mais tous les blés qu'il y a. Actuellement, nous sommes niveau. Enfin, j'étais niveau 6 ou je sais pas combien. Proche du niveau 1, hein. Là on est niveau 19, donc je vais vous montrer un petit peu le parcours que je fais pour être rapide. Ça doit faire combien de temps? J'ai commencé à l'été, c'est 15h30, ça fait déjà 30 minutes, 30 minutes que je farm, bientôt niveau 20. Alors certes, sur les autres serveurs ça peut changer, hein, ça peut aller plus ou moins vite avec les gens qui farment ou pas. Et bon, là aussi on a un petit almanax bien sympathique pour ma vidéo, hein. Ça va être plutôt cool de la tourner maintenant parce que la vitesse d'apparition des céréales récoltées par les paysans est augmentée de 100%. Cette vidéo, je sais pas quand elle sortira. Je sais pas si ce sera le jour même ou le lendemain ou l'après-lendemain. Je ne sais pas. En tout cas, en ce moment, je suis en vacances. Je viens de rentrer de Lorraine. Du coup, je vous avais promis des vidéos. Voici les vidéos. Donc, je sais pas quand elle va sortir cette vidéo. Bon, je pense assez récemment quand même. Mais en tout cas, je vais vous montrer mon petit parcours. Donc, mon parcours est très 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 simple. Bon, il va où là? Mon parcours est très 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 simple, je suis ici, donc vous prenez Zap du coin des Bouffetous, tac 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 tac, vous allez à cet endroit-là en 8,5. Vous faites 8,5, la 9,5, la 9,6 et la 8,6. Tout simplement parce qu'en fait vous avez que du blé. Vous avez du blé un peu partout. Du coup vous avez juste à tourner. Bon, même s'il y a des gens, en fait vous arriverez toujours à avoir un ou deux blés. Et ça va assez vite les petits potes. Ça va assez vite. Tout simplement parce que ben, les gens ils prennent un peu de tout aussi. Hein. Il y a des gens plus haut niveau que vous. Alors pour les prochains 20 niveaux, je pense que quand je serai niveau 20, je pense que je prendrai deux zones, mais je pourrais aussi prendre l'orge à partir du niveau 20, les petits potes. Et je vous montrerai après combien j'ai réussi d'avoir, enfin combien j'ai de blé. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai un bug de co? Bah, si vous voyez pas, j'ai un petit bug de co, j'ai le petit sablier des familles, comme vous le connaissez tous. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça tout d'un coup. On va un petit peu attendre le serveur d'accès. Ok, c'est parce que le serveur il vient de finir d'être en maintenance. C'est pour ça que ça bug un petit peu. Ça me le, bah, ça me le, si, ça le fait à tout le monde. Hein. Ça, c'est dès que le serveur il a arrêté. Ça va pas me déconnecter, il faut juste un petit peu attendre. Ah, Cocamère Chacal, voilà, c'est parti. C'est reparti. On démarre, tac 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 tac, changement de map. Il y a toujours quelqu'un, de toute façon, il y a toujours quelqu'un pour te faire chier. Parce qu'on est sur Ilizael, je tiens à préciser, je suis sur Ilizael, pas sur Hagrid cette fois-ci. Sur Hagrid, tu ferais d'autres vidéos de farm ou je sais pas quoi. D'ailleurs, les petits potes, j'ai aussi lancé des petites vidéos sur Dofus Touche. Je me suis fait une petite team de 4 par émulateur. Hein. Donc, si vous aimez pas trop les gens qui sont en émulateur et tout ça, pas la peine de regarder. Je ferai juste une aventure suivie sur surtout la quête du tour du monde. Je me suis créé 4 petits persos vu que c'est gratuit. Enfin, c'était pas payant en fait de jouer sur Dofus Touche. Je vous incite pas à jouer avec émulateur, mais franchement, les gars, si vous êtes chez vous, vous n'allez pas jouer sur votre téléphone, quoi. Et si vous voulez continuer l'aventure sur Dofus, vous allez aller sur émulateur. Forcément, vous n'allez pas rester sur votre téléphone, même chez vous. Ça, si vous partez, c'est cool d'être sur le téléphone. Mais si vous êtes ici, enfin chez vous, et vous voulez monter votre personnage que vous avez sur Dofus Touche, mais que vous n'avez pas envie de jouer sur votre téléphone, bah, vous jouerez sur émulateur, comme une part des gens. Et c'est sur Lindo, bah, comme tout le monde joue sur Lindo, c'est sur Lindo et ça bug pas. Et ça, c'est cool. De toute façon, je vous ferai un petit des petites vidéos de présentation de ma team et de ça. En plus, c'est vachement bien fait. Hein, c'est vachement bien fait. Je vous présente ce moment de ma team. Je ferai une petite aventure suivie sur Lindo. Comment se faire des kamas ou farmer. Il y a pas mal de choses à faire hein, sur Dofus Touche. C'est totalement un autre univers de Dofus. Hein, c'est pas comparable du tout. Si vous aimez le style de Dofus avec les grands espaces, les monstres que vous avez là, en fait, vous n'aurez pas du tout les mêmes monstres. Enfin. Vous aurez forcément des Bouffetous et tout ça. Mais il y a des nouvelles zones. Il y a des zones qui n'a pas sur Dofus, qui a sur Dofus Touche. Et vice versa sur Dofus normal. Enfin bref. Là je finis juste le dernier niveau. Hein, je suis niveau 19. Histoire d'avoir le petit récapitulatif de combien j'ai eu de blé. Et je ferai ça avec tous les niveaux 20, 40. Et au niveau 20, le plus important, c'est qu'on aura les agressions de sac. Enfin, de blé sauvage, là, enfin, les trucs qui donnent 50. Et ça peut rapporter pas mal de kamas, hein, les sacs. Pas pour les vendre comme ça, mais pour avoir de plus en plus de blé de ça. J'ai envie de scroller vers le bas pour voir le nombre. Bon, par contre, les petits potes, je n'ai pas vidé mon sac, du coup, ben, c'est pour ça que je vais le mettre en bas. Mais j'avais pas de blé, hein, ou peut-être j'en avais un ou deux, ou peut-être même 10, on s'en fout de toute façon.
Mais en tout cas, ce que j'ai là, c'est à peu près ce que j'ai farmé. Sur les prochains 20, je vais faire en sorte de me vider quand même le sac. Pas de problème pour ça, les amis. Pas de problème pour ça. Je viderai le sac tranquillou. Et là, vous avez vu, hein, j'ai pas fait énormément de tours et pourtant j'arrive facilement à monter mes niveaux. Hein, ils montent tout seuls. Hein, ça va assez vite. En plus, avec le bonus de l'Almanax qui améliore le repop de 100%. C'est vraiment le moment de monter son métier paysan. Et bûcheron, je ferai ça, la même chose avec bûcheron, pêcheur, mineur. Mineur, je vais le faire. Hein, c'est le métier qui est le plus rentable, hein, qui coûte le plus cher. Qui est le plus cher et qui est le plus rentable. Donc voilà, on stoppe ici. On stoppe ici. Je finis juste de couper celui-là. On stoppe ici, les petits potes. Nous allons voir tout de suite la prochaine ressource. Normalement, ce sera l'orge. Hein, tu vois, dans ressources, tu as l'orge. On a de 1 à 9 le blé et de 1 à 7 l'orge. Donc niveau 20, tranquille ou pépère. Bon, tous mes métiers de trucs, je les ai montés hors vidéo. Hein, même le bricoleur qui est l'un des métiers, je pense, très oublié, mais qui rapporte à max. Ça rapporte à max, ce métier, les gars. Je vous ferai des petites astuces si vous voulez. Hein. Enfin, vous en avez déjà une fois. Je vous ai une fois dit une astuce. Je vous ai dit l'astuce principale que je fais avec bricoleur sur ma dernière vidéo. C'est dans l'ouverture de coffre que je la dis, hein, tout simplement. Et elle est assez simple, elle est facile et elle mange pas de pain. Donc paysan niveau 20. Et les gars, on a eu 1500 blés. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Ça coûte que dalle. Hein. Le blé coûte que dalle. De toute façon, je vais pas les vendre maintenant. Il y a le repop. Donc forcément, les prix chutent. Ils vont remonter d'ici une semaine, 2 semaines. Je vais les vendre à ce moment-là. De toute façon, ça part hein, comme du petit pain. Je ferai aussi des petites ressources. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette merde? Si ouais, peut-être des pas de paysans. Je sais pas. Je sais pas si ça donne beaucoup de. Ça donne de l'XP. Ça donne de l'XP, pourquoi pas. Où il y a de l'orge aussi, de l'orge qui peut être vraiment sympa. L'orge qui donne 32 points de vie. Et je pense que ça doit bien se vendre en plus. Hein. Ça doit se vendre, je pense. Ça fait 4 900 les 100. Alors que ça te ferait juste 4 000 les 100. Ouais, bon, ça c'est kiff-kiff. Hein. C'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff, les petits potes. C'est même un peu plus cher de les crafter. Mais bon, ça partira peut-être moins. Bah, ça partira plus vite sans crafter. Hein. Je vous le dis cash. Et ça, c'est kiff-kiff. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas aller faire vite fait des petits pains? Je vais vite fait faire les petits pains, histoire de monter de plus en plus vite. En plus, il y a juste un atelier juste au-dessus pour pas se faire chier. Vraiment pour pas se faire chier, ça. On va cacher aller. Je sais pas si j'ai tapé dedans beaucoup de fois ou pas. En tout cas, si j'ai tapé énormément de fois dedans, j'en suis désolé. Moudre, 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 moudre. Non, c'est pas là-dedans. C'est dans le four. On va dans le petit four. D'ailleurs, je suis là avec mon yop que j'ai peut-être jamais montré. Je l'ai peut-être jamais montré en plus, ce yop. 5 XP, on va plutôt prendre celui-là. Hein. Tac, tac. Voilà, on passe niveau 24 directement, les petits potes. Et ainsi, on va pouvoir continuer. Je vous dis à tout de suite, les petits potes. Allez, à toutes. Et alors, les petits potes, on se retrouve pour le niveau 20 à 40. Et là, on est niveau 39, les petits potes. Je suis actuellement à 9 sacs de blé et à 13 sacs d'orge. J'en ai utilisé aucun. Et je suis à 2400 orge et 1600. De blé, petit pote, je parle pas trop fort parce qu'il est 23h et il y a des personnes qui dorment dans la baraque, tout simplement. Du coup, je parle moins fort, vous m'entendrez normal quoi, tranquillou. Petit son, j'espère qu'il est assez fort ou normal. Ah bah, du coup, c'est bon, j'ai fini. Je viens de passer niveau 40, les petits potes, sans aucune tricherie, j'ai pas utilisé. Vous avez bien vu que j'ai fait des petits crafts au tout début pour passer niveau 24. Rien de très fou. Et je suis actuellement au Scarafeuil, les pipotes, dans cette petite zone. Dans cette petite zone là, vous prenez le Scarafeuil, vous allez en 2,25 et vous faites ça. Tac, tac, tac. Les petits cubes, là, les petits carrés là, vous formez, vous tournez autour. Tac, 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 tac. Et je pense faire la même chose pour la suite de la vidéo. Les petits potes, je vais juste. Ah, putain. Désolé, je vois. Ah bah. On va dire que c'est notre 14e. Hein. Et je devrais presque pas le valider, mais bon, je vais quand même le valider dedans. Hein. On n'aura pas fait ça pour rien non plus. Donc je vais ouvrir tous les blés et tous les orges. Hein. Tac, tac, tac. Donc j'en ai 3100 et 2100. Vu que je suis blindé, je vais être obligé de tout mettre dans un
de tout foutre dans un truc. Et j'ai eu aussi de l'eau potable 13 000. Plutôt correct, hein, c'est plutôt sympathique. Ah bah ok, je suis full. On va faire un petit aller-retour à la banque. En tout cas, les pipotes, on se retrouve pour le niveau 40 à 60. Hein. Let's go. Et alors, les petits potes, c'était juste pour vous prévenir que bah, là, je suis seulement au niveau 56. Enfin, seulement. Je suis pas seulement au niveau 56, mais en gros, que bah, je suis juste full pod, les gars. Je suis full pod. Actuellement, on est au niveau 56, les petits potes. 56 avec 11 sacs d'avoine, 9 sacs d'orge et 14 sacs de blé. Du coup, juste aller. Bah, je peux pas justement les prendre. Juste aller vider tout ça. Et on ira continuer. Bah, je continuerai juste la vidéo, les petits potes. Bah, je continuerai juste à farmer jusqu'au niveau, comme on l'avait bien dit, jusqu'au niveau bah, 60, les petits potes. Donc, je vais poser tout ça à la banque. C'est juste pour vous montrer que je trichais pas, quoi. De toute façon, j'ai aucun intérêt à tricher de toute manière, les petits potes. Ou alors, là, il est actuellement 1h43. J'ai fait une petite pause début d'après-midi pour tout simplement, j'ai dû aller. Enfin, je suis allé aider mon frangin. C'est pour ça que j'ai pas pu vous montrer le 40, enfin je vous ai montré le 40, mais je vous ai montré bah, là tardivement, il était quoi, il était minuit, un truc comme ça. Là ça fait bien une heure et demie, presque deux heures, je farm là pour monter niveau 60, parce que j'ai plus le boost, le boost de l'almanax qui, où ça faisait repop les, où ça faisait repop tout simplement les blés et les céréales beaucoup plus rapidement, les petits potes. Céréales. Du moins, on a ça de céréales, hein. Bon, l'avoine, on s'en fout, vous voyez, il n'y a pas grand chose, tu vois. Ça, c'est ce que j'avais d'avant. Et là, on va rajouter juste tout ça. Tac, tac. On monte un peu la cagnotte, on monte un petit peu la cagnotte. On est à 103 000 kama pour le moment, les petits potes. Plus l'eau potable hein, qu'on fout dedans. Voilà, les petits potes. Allez, c'est reparti, à toutes les gars. Et alors, les petits potes, les petits gars. On se retrouve, ben, tout simplement, je suis niveau 60, les petits potes. Donc, j'ai encore pu récupérer, avant l'autre pause, enfin, après l'autre pause que j'ai faite, 128 eau potable, les petits potes, 128 eau potable, 2 sacs d'avoine, 4 sacs d'orge et 2 sacs de blé. Voilà, les petits gars, hein, pour ça, donc, on va tout mettre en banque, hein, tout simplement. Je vais vous montrer où j'ai... où j'ai farmé bien sûr tous ces petits trucs tout simplement. Alors j'ai un petit peu farmé à Bonta ici, mais vraiment trop de monde hein. On farmait dans les 4 là, beaucoup trop de monde les petits potes. Je vous conseille comme d'habitude, enfin hein, comme le 4 d'avant ici, cette petite zone. Donc une fois que tu as l'avoine, tu peux commencer à faire ça, tac, tu fais les 4 là, enfin tu fais les 3 là. Tu vas ici, tu descends à 4, tac, tu fais cette boucle là. Parce qu'en fait, ici tu auras un puits, et ici tu auras un puits. Donc t'as deux puits, t'as un là et un là. Et l'eau ça vaut quand même assez cher, hein. Ça vaut plus de. Je crois que ça vaut 20 kama ou un truc comme ça, tu vois. Non, ça vaut 40 kama, un truc comme 42 kama. Donc ça fait 4200 les 100. Ça taxe un petit peu au bout d'un moment. Hein. Bref, on se retrouve pour le niveau 80, les pilotes. Et à la fin, donc au niveau, dès que je serai niveau 100, je ferai un récapitulatif de combien ça m'a apporté et si c'est bénéfique de le faire. Allez, à suite les petits potes. Et alors les petits potes, ben, on n'est pas encore au niveau 80, les gars. On est au niveau 70, paysan. Et je suis blindé. Donc on va faire juste un petit détour Bonta banque, histoire de vider tout ça. Et on sera reparti après directement pour faire les petits derniers niveaux, les petits potes. Enfin, jusqu'au niveau 80. Après, on aura encore du 80 à 100. Et après, je ferai un petit brief de ce qu'on a, les petits potes. Bon, j'ai 2100. Bon, attends, juste prendre tout ça. Tac. Donc, je suis 891 houblon, 2006 avoine, 2142 orge et 2545 de blé. On va tout foutre en banque, hein. on va pas faire chichi. Tac. Vous savez quoi, je vais même pas regarder. Transférer tous les objets visibles, tac, comme ça on les voit même pas, les pipotes. Et on se retrouve à tout. Ah bah je peux même vous dire, oh non, on se retrouve à tout de suite les pipotes. Je vous ferai le petit brief niveau 80. Allez, à suite. Alors les pipotes. Ah, on est niveau 80, les petits gars. 80, on a bientôt fini.
Il est actuellement 22h23 au deuxième jour. Bon, j'ai farmé, mais pas tant que ça en vrai. Hein. J'ai farmé quelques heures par-ci par-là. J'ai tenté une zone, les petits gars. Ah bon, tain, simplement, j'ai tenté la zone qui est ici. Vous allez là, tac, 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 tac. Tu montes, tac, 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 tac. Cette zone-là, très, très bien. C'est une très bonne zone, mais il y a énormément de monde. Pareil pour ici, énormément de monde. C'est blindé. Du coup, c'est des grands champs. En fait, c'est des grands champs, mais le problème, c'est qu'il y a énormément de monde. Du coup, vous allez avoir quoi? 3-4 blés, tu vois. Enfin, 3-4 céréales. Et c'est pas du tout rentable. Alors que moi. Et après, j'ai dû faire 5 niveaux sur mon temps en forçant bien comme il faut. Et après, je me suis foutu ici, comme d'habitude. Hein. La petite routine, tac, 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 tac. Tu montes là, tac, 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 tac. Tu fais ce petit rond. Tac, 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 tac. De là, tac, 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 tac. Ce petit rond-là. Enfin, ce petit rond. Ce petit circuit de ce petit rectangle, tu suis ça et je pense que tu peux monter jusqu'au niveau 100. Je pense que je vais même monter jusqu'au niveau 100 parce qu'en vrai, ici on a quand même pas mal de trucs. On a du doublon, de l'avoine, de l'orge. Il y en a plein, tu vois. T'as plein de petits trucs comme ça. Là, t'as de l'houblon. Là, je sais que t'as un peu de lin, tu vois. Le lin, c'est ce que je vais faire maintenant. Avoine, lin, houblon, tu vois. T'as pas mal de choses. T'as pas mal de choses. Donc là, tu as même aussi un peu de lin et de ça. En tout cas, là, on est à 2800 de blé. On peut laisser juste tous les sacs. J'utilise tous les sacs que j'ai. Tac, 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 tac. Donc j'en avais 5, 5, 8, je sais plus combien. Donc j'ai 3100 de blé, 1500 d'orge, 1600 d'avoine et 1200 de houblon, quoi. Et j'ai 339 d'eau potable. On va mettre tout ça en banque. Et après, on sera parti les petits potes pour la dernière ligne droite et pour le débrief de fin. Les débriefs de fin que je ferai sûrement demain matin ou bah non, demain matin, ce sera sûrement demain matin. Je pense. Donc pour vous, ce sera dans la même vidéo, hein, pour moi, ce sera demain matin. Tac, 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 tac. Banque. Si les musiques changent, c'est juste simplement parce que je ferme mon YouTube et j'en remets pas d'autres. Hein, c'est pour ça que vous avez pas toujours les mêmes musiques qui sont derrière. Je pense pas que c'est si grave que ça. Et après, on fera le petit récapitulatif, bien sûr, de toutes ces petites ressources. Hein. C'est déjà pas mal de voir tout ça, tu vois. Je suis assez content en vrai d'avoir farmé tout ça. Allez, on se retrouve pour l'étape de 80 à 100. Et peut-être je ferai pas de pause. Hein. De toute façon, vous verrez à la fin le gros débrief. Du coup, je ferai plus de pause jusqu'à 80 à 100. Si je dois ramener des choses en banque, je le ferai sans faire de couper. Je fais une seule ligne droite, vous aurez à la fin de toute façon le gros paquet de céréales que j'ai réussi à récupérer du niveau 1, je dis 1 mais c'est pas 1, mais de toute façon du niveau 1 à 20 t'as le blé, donc c'est ce qui vaut que dalle. Donc du niveau 1 à 100, vous allez voir comment ça nous a rapporté 2 camas les petits potes. Allez, à dessus, et si c'est rentable, si ça vaut le coup, allez, à toutes les petits potes. Et oh les petits potes, on est niveau 100 les petits gars, enfin on va faire le petit débrief. Donc niveau 100, hein, comme vous voyez, tout pile niveau 100, j'ai pas fait énormément de plus, hein, j'ai fait, hop, ça devait être 2000, tu vois, j'ai dû faire 11 en plus, c'est pas bien grave, on le voit même pas dans la barre. Donc on va tout simplement aller, je peux vous montrer, hein, niveau 100, paysan, niveau 100, nickel ça les petits potes, on va enfin pouvoir couper plus que ça, enfin faucher. Est-ce que ça a été rentable? Donc je ne sais pas, hein, j'ai pas regardé, la surprise sera aussi pour moi les petits potes. En tout cas, on peut faire des petites gaufrettes, des petits pains de seigle. On peut faire plein de choses, les petits gars. On gagne d'ailleurs le riz et le seigle. Hein. Le riz et seigle qui valent tous les deux chacun un bon petit paquet d'argent, quoi. Un paquet de kama plutôt. Ça m'a mis 2 jours, hein, deux bons jours, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas farmé, hein, j'ai rien fait. Il est actuellement 16h20, j'ai pas joué de la journée, je viens de me connecter seulement il y a même pas 2 minutes là. Dans le coffre là, il n'y a rien, il me semble. Voilà, il n'y a que dalle. On va aller à Bontal et Pipote, on va aller regarder combien j'ai réussi à farmer de céréales. Hein. J'espère avoir fait quand même un truc assez potable quand même. Donc niveau 1 à 100, on va voir combien ça a pu nous rapporter, petits gars. Je ferai la même chose avec bûcheron, alchimiste et mineur. Pas tout de suite, hein. Là je l'ai fait maintenant parce que j'avais vraiment les idées, quoi. Ah, j'ai aussi d'ailleurs un houblon brillant qui vaut vraiment pas très très cher, quoi. Alors céréales,
Ouh, quand même. 730 000 kamas on a réussi à se faire. Donc imaginez, vous êtes BL, vous faites ça en 2 jours, 730 000 kamas. Eh, ça vous paye votre stuff et tout ça. Bon, est-ce que ça a vraiment été amusant de faire ça? Je vous avoue que c'était vraiment très très long. Tout simplement parce qu'il y avait quand même des gens, relativement beaucoup de gens qui sont des gens qui sont ici, tu vois. Ici, il y a énormément de gens. Bonta, c'est pas possible. Hein. Ici, c'est un bon spawn. Hein. En vrai, c'est un bon spot. C'est des gros champs de céréales. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Il y a pas mal de choses à faire ici. Mais il y a énormément de monde. Hein. Franchement, si je vous conseillerais une petite technique hein, que j'ai réussi. Bon, au début, j'ai commencé ici parce qu'il y a quand même relativement beaucoup de blé, qui est plutôt sympathique. Sinon, je vous conseille cet endroit-là. Hein. Franchement, Scarafeuille, best endroit pour moi. T'as de l'eau. Et t'as du céréal où il n'y a pas beaucoup de monde. Donc tu vas là, tac 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 tac, tu fais ça, tu fais tout ça, tac 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 tac. Jusqu'au niveau 100, tu peux aller jusqu'à là. Et après, enfin, une fois que tu es niveau 80, tu passes tac 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 et tu vas vers là. Ici, tu auras du lin dans les 3, dans lui, et lui, t'as du lin très peu farmé. Du coup, vous en aurez souvent. Vous faites le rond ici, vous allez là, tac 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 tac, et vous faites tout ça. Vous avez tout ce petit truc-là, et ça va monter tout seul. Franchement, en 2 jours. En farmant 2-3 heures, j'ai réussi à monter assez vite mon métier paysan quand même, niveau 100 en 2 jours, ça va, c'est correct. Je ferai aussi 100, de 100 à 150 et de 150 à 200, bien évidemment, les petits potes. Donc, en céréales, qu'est-ce qu'on a? On a le houblon brillant, 5000, ça on s'en fout. On a le lin, 124 000 kamas, donc le dernier céréale que j'ai eu, hein, donc forcément, qui dit dernier dit que c'est le dernier que j'ai farmé, donc 124 000 kamas qui s'est fait relativement vite. Le seigle, on en a 230 000. Le guisnot, bon sang, je l'ai pas fait, ça je l'ai pas fait, donc ça on les enlève. Le blé, j'en ai fait pour 84 000 kamas. L'avoine pour 202 000 et le houblon pour 70 000 kamas, les petits potes. Je vais attendre, je ne vais pas les vendre, hein, je vais attendre pour faire mon métier alchimiste pour pouvoir assembler les deux. Ah, j'ai même pas regardé les petits potes. On va juste vérifier l'eau parce que l'eau, t'en récupères quand même assez souvent, les petits potes. De l'eau. Tac 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 tac. De l'eau, on a eu. J'en ai farmé 2000, donc j'en ai pour 118 000. Bon, j'ai presque 1 million quand même de. Non, je dirais plutôt. J'ai 800 000 kamas de bénéfices en montant ce paysan niveau 100, les petits potes, et en farmant que au Scarafeuille. J'ai un peu farmé aux autres, mais c'est vraiment blindé. Je vous conseille vraiment le Scarafeuille. Bref, si cette vidéo vous a plu, les petits potes, si vous avez aimé, mettez un like, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. Lâchez un petit commentaire pour le référencement. Pour moi, c'est très important et pour vous, ben, ça ne vous coûte pas grand-chose de mettre un petit commentaire, un petit like, de s'abonner. À moi, si vous n'aimez pas la vidéo, ben là, ben, faut aller regarder autre chose, les petits potes. Sur ce, moi, je vous laisse. Allez, ciao, ciao, les petits potes. Portez-vous bien.